Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... Crumble du vendangeur aux pommes et aux raisins. Pour 4 personnes, il nous faut 500 g de pommes, 500 g de raisins frais noirs, 125 g de beurre demi-sel, 100 g de spéculoos, 60 g de farine, 50 g de sucre, 5 cl de rhum et un demi-citron. Pour le caramel, 80 g de sucre et 40 g de beurre. Je vais commencer par les pommes que je vais peler et couper en quartiers. Et je les mettre au fur et à mesure dans un saladier pour les arroser de rhum et de jus de citron. Et je vais maintenant préparer le caramel. Donc je vais prendre le beurre que je vais mettre à fondre. Dès qu'il sera fondu, j'ajouterai les pommes et le sucre. On va maintenant laisser caraméliser très lentement nos petites pommes sur feu doux. Cela va prendre entre 20 et 25 minutes. Alors je vais beurrer le plat à gratin généreusement. Et je peux mettre le four à préchauffer. Dès que les pommes seront bien caramélisées, je les mettrai dans le fond de mon plat. J'ajoute les raisins et je vais pouvoir m'occuper de la pâte à crumble. Je vais émietter grossièrement les spéculoos. J'ajoute le sucre, la farine. Je mélange très grossièrement avant d'ajouter le beurre. Et j'émiette ce crumble sur les fruits. J'enfourne pour 35 minutes de cuisson. Une chose est sûre, ça sent divinement bon, tout comme le jour où j'ai fait le crumble aux pommes ou alors le crumble de légumes à la mozzarella.